dès que j'ai raconté plusieurs segments de ma vie, des moments sensibles, voire graves, puis mais pourquoi tu ne fais pas vivre Jean-Jacques? Hein, je disais, c'est pas bête, hein, j'avais bouquin à la maison, il dit, mais oui, je ne sais pas comment l'appeler, mais il dit, c'est une question de Rousseau, tout simplement. Ah, c'est pas fou, Maurice, et puis c'est resté comme ça. J'en ai parlé aux producteurs, les producteurs trouvaient ça amusant aussi. J'ai regardé, hein, c'est une autobiographie où il a raconté les 53 premières années de sa vie. Ah, ben moi, c'est un peu plus court. Quand même. Ouais, ouais. Enfin, il a 44 ans quand même. 53 ans, c'était pour lui 1767. Je pense que la vie n'est pas tout à fait la même que maintenant. Non, c'est ça, mais il y a quand même des similitudes. Je me suis permis quand même de le lire. Puis de voir que mais il y avait quand même. Je suis loin d'être Jean-Jacques, il y a quand même des similitudes dans l'idée, en tout cas, de se raconter, évidemment, puis de raconter de se raconter à un public. C'est assez particulier de le faire en humour, en tout cas, puis ça me plaît, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Alors, dans Confession, on aurait presque pu, j'aurais dit, d'exemple curé. Ça aurait été cool, ça. On aurait mis une espèce de mouchard ami entre nous, et j'ai dit, qu'as-tu à Confession, mon ami? Mon Dieu, mon cher ami, qu'est-ce que je peux vous raconter que je ne raconte pas sur scène? En fait, ce que je raconte pas sur scène, c'est parce que c'est pas raconté. C'est pas bête. Parce que... Non, en fait, scène, on voit pas plus. Hein. Aussi, parce que une première expérience de vacances dans un camp nudiste, c'est un peu intimiste quand même. Ouais, puis qui a duré quand même 12 ans de ma vie, alors... Parce que c'était une idée de mon père était naturiste, puis je l'ai suivi parce que j'avais 3 ans, alors j'avais pas le choix. Mais alors je raconte, vous verrez ce soir, vous écouterez, puis je raconte cette période de ma vie. C'est assez amusant en fait. Puis moi je pouvais pas en parler parce que mes parents voulaient pas que j'en parle, ma soeur voulait pas que j'en parle parce qu'eux y allaient toujours. Moi j'avais cessé d'y aller à l'âge de 16 ans à peu près. Et du coup, ils voulaient pas que j'en parle. Moi je trouvais que c'était un sujet évidemment super intéressant pour faire de l'humour. Mais eux, comme ils y allaient toujours, ils le cachaient à certains membres de la famille, au voisinage. On ne pouvait pas le dire. Et puis malheureusement, moi j'ai perdu à peu près toute ma famille. Alors aujourd'hui, je me permets de raconter ce moment de ma vie parce que moi je trouve ça assez riche.